Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous regardez l'émission par là, qui c'est Droiture et son invité. C'est un plaisir encore pour nous entrer à la CAU. Nous sentons heureux pour nous débattre un sujet qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Et ceci, que société a surtout peu penché sous lui, mais nous-mêmes dans Droiture et son invité, nous bannons le devoir, bien que nous toujours dit. C'est la différence entre ça la loi dit et ça que nous-mêmes nous avons vivre dans la société. Nous allons parler de droit femme dans le pays d'Haïti, côté que même question biblique, il y a qui accentue pour prendre Green verset ça, qui dit l'homme est le chef de la femme, pour faire comprendre que la femme n'a pas de droit. Mais dans l'émission ça, pendant petit temps ça, nous va baou en pile belle bagaille pour nous faire comprendre ça va vivre et ça la loi lui-même dit. Et c'est pour raison ça qui fait nous prenons un monde qui dans domaine là qui connaît domaine là bien qui va parler en long et en large avec nous de sujet ça et que nous va prendre un peu le temps pour nous présenter lui c'est maître Roland Dieudonné. Moi dis bonjour, bonsoir à tout le monde qui a regardé l'émission. Tant que maître Alcide se dit moi c'est Roland Dieudonné. Moi c'est féministe, moi c'est juriste et politologue et moi c'est porte-parole Femmiola qui c'est collectif féminin pour la participation politique des femmes. Donc moi bien content de participer, me fait passer petit temps ça dans émission Droiture et son invité. Donc moi remercie maître Alcide. Merci maître parce que vous avez accepté l'invitation. Nous pral parler et bien parler. Avant tout, nous va prendre un coup de pause et puis nous va retourner pour nous rentrer dans le vif sujet. Nous retourner après pause là, côté que nous allons parler de droits femmes dans le pays d'Haïti et sans plus tarder, nous va passer avec maître Roland Dieudonné qui a une présentation qu'il va faire nous et puis après nous va enchaîner avec question. Maître, la qu'on est à vous. OK, merci. Sujet 1, c'est droit femme en Haïti. Droit femme qui s'allie. Droit femme, c'est un droit qui réel que toute femme, toute jeune femme, a revendiqué dans le monde, là, dans tout côté qui a des gens qui vivent là-dedans pour vivre dans une société égalitaire. Nous-mêmes en Haïti, on prend le cas de. On a commencé de 1934. 1934, nous avons créé la Ligue féminine d'action sociale, qui était la première organisation femme qui était créée en Haïti par des femmes à cette époque pour être capables de revendiquer les droits, pour être capables de faire les droits respecter. La Ligue féminine d'action sociale qui était gagné objectif pour capable faire éducation pour mesdames et faire des conférences à travers tout pays hein, et puis faire des pétitions tout auprès des autorités faire des pétitions pour capable voir auprès des autorités ou des autorités à cette époque pour être capable ouvrir école pour petites filles par rapport à tout droit ça yo tout que en fait qui était mena qui était rend yo pas égal dans époque là et puis tout nous t'ai gagné yo t'a réclamé tout salaire égal égaux en 1930 en 1950 nous t'ai venir gagner droit de vote en tant que femme c'est toujours sous leadership Ligue féminine d'action sociale malgré nous venir gagner droit de vote en 1950 nous t'ai venir joindre droit vraiment pour nous capable aller dans l'élection qui était première élection en 1957 mesdames yo t'ai al voter librement et c'est à cette époque que t'es gagné une femme qui est allée dans l'élection qui c'est Madeleine Bouchereau qui est allée dans l'élection pour Sénat au niveau du département de l'Ouest. Par la suite avec le gouvernement et dictatorien Duvalier mesdames yo par rapport de persécution t'es venu gagner première femme qui était victime à cette époque c'était Yvonne Kimwembel Rimpel qui était victime donc mesdames yo t'es allé en exil mesdames yo passé tout gouvernement et Jean-Claude Duvalier a dehors et puis yo te nous vin ton là juste en 1986 après 2 mois après
pouvoir chez Côte Duvalier a vin tombé le 3 avril 1986. Mesdames, yo t'es organisé un gros marche qui t'es mettait près de 30 000 femmes de yo qui t'es femmes t'es sorti dans le département nord, dans le département Latibonite, dans l'ouest là et puis dans le département sud là. C'était pour la première fois 30 000 femmes t'es sorti pour être capable réclamer, pour capable dire que pour capable faire respecter droit yo en tant que monde pour et ceci yo mandé pour yo capable participer dans affaires politiques pays en tant que femme, parce que si yo même yo là dans société hein, yo a vivre, yo gen droit, faut droit yo respecter. Et puis par la suite t'es venu gagner constitution Constitution, mars 1987, là, qui t'a gagné un article, qui t'a, ouais, je me rappelle, c'était dans l'article 18, dans la Constitution, hein, qui dit tout haïtien gagne même droit. C'est par la suite de mars que mesdames, vous t'avez fait, pour vous t'êtes capable. Pour droit, on était capable de respecter. Par la suite, il y a des organisations, des coups, des femmes, SOFA, qui étaient venues fonder, et ceci jusqu'à maintenant, qui soutenaient, qui a travaillé sur la question des droits de femmes. Yo te vin travail vraiment pour droit femme respecté, mais nous te vin gagner, nous vin gagner encore loi 8 octobre 1982 hein, qui vin retirer femme dans affaire de pour marier ou c'est ti moun garçon. Li te vin bay fi un droit civil que li ka fait tout ça même le marier ensemble avec un garçon. On prend le cas de donation, si avant loi ça le au fond film on dame qui marie ensemble avec un garçon le au bay yon donation rapide, donation li vin li paté pou fille hein, li te vin directement sou garçon pour garçon hein, mais après décret 8 octobre 1982 hein, donc fille li même li vin grand moun quelque soit ça au bal pendant mariage là, c'est pour li rete et ceci il pas besoin tout et autonomisation bien sûr et après garçon pour le faire rien. Donc loi ça li même li vin rendre que li grand moun. Et puis nous vinn gagner encore de l'autre loi encore tant que des lois internationales. Nous gagner convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes que Haïti est ratifié en 1981. Nous gagner pacte international relatif aux droits civils et politiques que Haïti encore ratifié en février 1991. Nous avons une convention sur les droits politiques des femmes encore que Haïti ratifié en 1958. Donc tout droit ça ce sont des droits qui permettent nous mêmes en tant que femmes pour nous capable vivre bien tant que tout le monde nous vive bien. Nous gagnons nous après 3 avril et puis nous vinn gagner loi 5 octobre 2007 qui gagner pour ça faire conditions de travail pour monde qui a travail, femme qui a travail comme monde. Loi ça vinn permettre vinn faire secteur ça vinn sortir un secteur informel à secteur formel. Donc nous charger des lois qui dans constitution hein, nous gagner loi sur paternité maternité responsabilité publiée en 2012 qui parlait pas des petits monde petit pas des petits monde dehors petit monde dedans petit monde légitime petit monde naturel petit monde des petits monde en fait qui climat en de mariage qui pas en de mariage tout petit monde ça a gagner même droit. Donc nous gon paquet droit, nous gagner article 17.1 en tout dans constitution sur question quota qui permet mesdames yo participer dans toutes affaires dans toute bagaille qui a fait non pays hein, on prend le cas de nos affaires politiques, n'a venir dans collectivité territoriale là dans dernier cartel ça yo n'a pas tout côté gagne une grande forme. À part de ça pas gagne nous gagne loi électorale là tout qui vraiment qui mettait qui inscrit 30% quota dans loi électorale là. Donc ce sont des lois vraiment qui protègent mesdames yo pour capable vivre bien. Question inégalité qui gagne pour capable corriger, mais par contre nous gagne des lois tout qui jusqu'à maintenant qui a bafoué droit. Nous gagne question sur question article 262 sous code pénal hein, loi sur avortement, mais vraiment qui dit mesdames yo que depuis avorter c'est un crime lié et ça lui restreint droit moi même en tant que femme, parce que c'est moi pour qui connaît si mancette qui le sim a fait ou pas qui le pour me faire li pas quoi elle t'a il t'a dépend de yon loi qui dans code pénal nous même en Haïti hein. Nous gagne encore dans code pénal article 285 qui parlait sous affaire adultère. Donc mettez un nombre de mois pour mesdames
et à la prison, mais pour autant, pour monsieur eux-mêmes, son sentiment est pour y payer. Donc, ce sont des lois jusqu'à maintenant qui discriminent mesdames. Yo. Ce sont des lois qui discriminent mesdames. Yo. Nous avons vraiment de très belles et, lois, des conventions que Haïti signé, bon, surtout qu'on y a gagné, surtout avec le gouvernement, ça, bon, paquet, parce que chaque jour, mesdames, yo, a violé, malgré l'assiette. Il y a une pile organisation qui a fait un pile effort pour nous, mesdames, nous continuer à respecter des acquis que nous avons. Mais par contre, il y a un pile tout, ni dans le code civil, ni dans le code pénal, ni dans le civil, ni dans le code civil. Nous avons des lois vraiment qui toujours discriminent nous. Donc, pour moi-même, en gros, je suis capable de dire ça. Je suis capable de faire exposer. Maintenant, mettre à le site, si vous avez quelques questions, je vous attends. OK. Merci, Maître Woodland. En fait, vous faites toute historicité de lutte. On doit femme dans le pays d'Haïti et mon cas dit que c'est une lutte qui était acharnée, c'est pas une lutte qui était facile selon ça pour que introduction qu'on saute faire et moi féliciter vous et nous cas dit tout que Maître Woodland c'est un féministe, c'est-à-dire une femme qui là pour faire droit femme respecter en Haïti et lui même se dit tout à l'heure qu'il fait partie de femme yo là mais c'est porte-parole femme yo là. OK. C'est-à-dire que c'est pas un monde qui novice dans domaine là, c'est-à-dire c'est un monde qui connaît qui s'appuie les droits femmes en Haïti et qui a bataille pour les questions droits femmes en Haïti. En fait, mais tout le monde encore une fois moi je vous remercie pour râler mes venir ça que vous faites. Et question que me t'ai va poser, première question que me t'ai va poser. En fait, on t'a parlé de quelques lois ou du moins qui pas respecté qui a bafoué. Et est-ce que nous pas qu'à dire qui rôle pouvoir législatif là et pouvoir judiciaire là et qui gagne dans faire respecter droit ça vous-même. OK. En prenant pouvoir législatif là. Pouvoir législatif là mission c'est légiférer des lois pour société hein. OK. Pouvoir législatif là il là pour le capable aller garder des lois qui des projets de loi des propositions de loi que ont été fait okay. Travail sur yo qui ouais qui a bon pour société hein, pour okay. Majorité dans société okay. Hein. Okay. Parce que jusqu'à maintenant nous sommes à 52% de la population okay. Donc moi pas qu'à comprendre que y a une majorité dans cette population et puis c'est les mêmes droits pas respectés c'est les mêmes qui a discriminé. En fait, pouvoir législatif, non, pour capable travailler avec des organisations féministes qui souterrainent, qui a milité dans la question droit monde, pour capable travailler, abroger des lois, supprimer des lois qui étaient là, qui tournaient comme tu capable de discriminer nous tout le temps, pour capable mettre loi ça à jour, parce que droit femme c'est droit monde. Si on parle de droit monde, c'est ça qu'on parle de droit femme. Droit femme pas écarté de droit monde. Parce que c'est femme donc, qui baille la vie tout. Bon, oui, en fait, ça, me dégage du naturel là, qu'à nous. C'est du naturel là, qu'à nous. Mais en fait, en tant que monde, faut que nous fuyons bien. Nous, 52% de la population, hein. C'est nous-mêmes qui plus marginalisés, c'est nous-mêmes qui plus discriminés, droit nous violer. Donc, pouvoir législatif lui-même, il est là pour être capable de garder dans le code pénal, tant que révision que vous avez fait dans le code pénal, ils ont vraiment fait un bel travail, tant que le sénateur, bien sûr, ils ont fait un bel travail là-dedans, mais malheureusement, ils n'ont pas voté. Bon, en fait moi-même, j'ai eu une chance de faire partie de plusieurs assises okay. Qui étaient faites sous lit, parce que nous étions avec le sénateur Jean-Renel Sénatus. Okay. Et le travail là était belle. Mais malheureusement, il n'y a pas de gens. Voilà. Donc, moi-même, par contre, non, pour question, parlons de ça, peut-être ça a quitté là, parce que vraiment, parce que ouais, un gros qui travaille, qui a fait. Mais en fait, il y a des parlementaires, on prend le cas de loi sur paternité responsable, c'était député Gérandal, le regretté de mémoire, et nous avons une loi question sous question 30% quota, donc ce sont des lois vraiment qui étaient passées dans le Parlement, qui publié par le président, mais par contre qui portait des fruits pour mesdames, malgré nous toujours dans le goût, mais nous portait des fruits, nous pouvons vraiment, comme ceci, loi, les publier vraiment, mais société, on a l'autre travail encore. Oui, voilà, pour appliquer la société, on a l'autre travail encore, pour le état supposé fait. Donc, pour pouvoir législatif, là, moi, quoi que, même, j'ai l'objet de légiférer loi pour société, mais légiférer loi pour majorité dans la société, que femmes qui 52% nous-mêmes, là, en Haïti, sans côté tifi, petit garçon, surtout sur tout tifi, surtout sur question violence là, qui ont gros morceaux parce que question violence là, c'est un morceau qui a contingent, qui a vraiment discriminé nous. Donc, faut parlementaire yo,
chita discuter sur que al chita travail sur loi ça pour yo voter pour nous vraiment que yo a aidé nous au niveau de l'exécutif moi-même de l'exécutif surtout de président qui passe surtout au président ça qui la président qui passe en bon mon pas côté respect à qui gagne bon président ou a fait une activité en petit monde tu pas qu'on rappelle même 6 7 ans la danser le virer sentir ou virer sentir ou ballon clé machine. Donc je me demande est-ce que le président ça li respecte droit ti moun yo en tant que scientifique qui image la projeter qui image la projeter moi-même au pouvoir exécutif un bon pouvoir exécutif qui respecte droit femme le gagner un gouvernement qui a monté ou t'es prêté serment sous constitution hein article 17.1 dit comme ça que faut gagner 30% femme pour viti dans tout espace yo donc ou supposé respecter 30% femme dans gouvernement dans toute commission ou monter mais si nous prend le cas de pouvoir exécutif ça qui gagne là moi beaucoup ouais côté respecter quota nous parce que toujours faut femme là faut femme et pas faut femme là mais faut ou respecter quota parce que 30% femme pour pipiti et pas 30% femme nous demander non pour pipiti nous ca 50% nous ca 60% nous ca 100% tout. Est-ce que nous poser une question maintenant sur ce dire là une question de quota est-ce que c'est pas femme yo qui des fois par contre pas impliqué réellement dans la question politique on nous prend nous apprêter dans la politique est-ce que c'est pas femme yo qui pas intégré dans la question politique qui fait yo quota lui-même il pas respecté donc par exemple pour élection une femme non dans une circonscription qu'a choisi que presque tout le monde qui porte au candidat c'est femme mais femme yo peut intégrer dans la question politique est-ce que c'est ça par en cause dans problème de quota dans la question politique en Haïti dans dernière élection là qui s'est passé là je ne me rappelle pas le nombre de femmes c'était pour la première fois que tu as pile femme comme ça qui t'est allé dans l'élection quitte au niveau de législature en gros c'était pour la première fois en pile femme porter au candidate dans l'élection bon c'est une élection au talent ils ont pas réussi donc velléité pour femme pas gagner d'envie rentrer dans l'élection moins power au contraire femme yo gen plus engouement pour rentrer dans l'élection yo gen plus engouement pour faire politique parce que politique là lui-même c'est lui-même en fait qui a géré société c'est lui-même qui comme si t'es cadeau pouvoir c'est lui-même qui a question programme pour qui river droit femme pour qui respecter c'est à partir de dans l'état donc présence mesdames yo li important pour présence yo là pour leur prendre décision pour yo capable décision pas yo qui revient pour capable parti pour capable dit que décision mais comment pour yo prendre décision en faveur yo femme dans parti politique yo tout il y a une structure femme qui crée dans parti politique yo oui parce que femme yo veut faire politique mais tout il y a des barrières tout qui mettait. Est-ce que faire politique nous te connons là tout le temps nous pas te connons là tout le temps on te connons dit nous pour faire politique pas pour nous moi même jusqu'à maintenant moi t'es dans parti politique nous te fait pas de 7 ans dans parti politique pendant d'abord étudier sciences politiques moi te fait pas de 7 ans dans parti politique non parti politique c'était une très belle expérience mais par contre tout naturellement moi même vine pour des raisons vine camper sous lit il y a une autre barrière tout dans parti politique tout. Mesdames, vous voulez faire politique. Comment vous voyez, mesdames? Comment vous voyez, vous avez saisi, vous n'avez pas été dans le parti politique, vous avez tout en vous. Mais par contre, vous avez son femme pour qu'il sorte, il a besoin de sortir après l'eau. Tu es chez toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais te chercher. Ah oui, je vais te chercher maintenant pour discuter quelque chose. Ok, bon, moi-même, pendant le cas, moi-même, pas de gagne, je fais ok, mais on fait ou dit ça, il dit oui, n'allez. Le nalo ka imagino tout ça peut-être qui ka passer parce que là elle vraiment ce qui ça pas le prix ça va le dou c'est question tu es belle c'est comme si yo vinn rentrer ou son femme qu'on y a ou pas en tant que monde qui a fait politique à part de ça les élections quoi son autre problème pour madame yo qu'est-ce qu'on pour faire élection pourquoi parfois parti politique qu'on même pas comme si accompagner yo c'est eux même acti ça que yo gagné ti zong moi même moi dans famille là moi toujours quand t'entends des témoignages yo c'est que dans pile problème mesdames yo voulez faire politique et jusqu'à maintenant mesdames yo enragé pour faire politique t'as fait politique mais qu'on y a c'est rivé côté pour y arriver dans pile barrière là voilà tout société en tout là dedans parce que même là dans élection c'est parfois toujours ouais c'est un garçon
mais ça Javier, parce que dans pile monde qui votait femme tout, parce que il y a femme qui était dans l'élection 2015 yo, qui témoignait, qui dit yo même des femmes qui votait yo, des femmes qui était dans campagne yo, des femmes qui ouais ça me dit là société en tout jusqu'à maintenant il y a presque ouais fille dans politique là on dit on fait politique yo ou wow, l'autre façon moi même l'aime ta faire politique mal dans sens politique maman me battait trop bien ouais pour moi même c'était un gestionnaire d'ailleurs c'était gestion me dit après que t'as étudié on arrive dans troisième année gestion camper gestion mal dans politique maman me pas bien ouais même gon petit frère qui a étudié gouvernance locale étant au cap gon l'autre petit frère encore qui intéressé mon grand chum encore qui entre dans politique là donc en fait dans cinq petites mamans nous gagne quatre là qui ont petit gens arrêté dans affaire politique là qui fait moi même t'ai mais moi même t'ai premier monde qui t'ai franchi m'ai bloqué m'ai dit pas continuer administration t'ai arrivé dans troisième année et puis mal dans sciences politiques et jusqu'à maintenant moi senti bien moi senti normal en tant que femme malgré toujours une discrimination parce que là me dit ma femme politique dit oh comment ça bon monde mon maintenant voulant qui faire politique non là ça faut mettre mon dans chita pour parler parce que société en tout ils sont l'autre poitou qui pas trop bien ouais femme leur faire politique mais par contre mesdames yo gain droit pour faire politique malgré constitution dit ni femme ni garçon égal égaux c'est une raison dans la réalité qui pas ça qui fait article 17.1 lui même il venir pour capable permettre mesdames yo rentrer dans politique n'a prendre le cas de fusion qui gagne un critique de femme qui gagne femme dans tête vraiment qui a dirigé de l'autre parti politique mais vraiment avant qui pas comme ça donc pour capable dire comment mesdames yo vraiment yo a émergé dans affaire politique pour capable finir dans question judiciaire pour question droit femme là encore son autre gros problème n'a prend le cas de question de viol scandale de footballeuse yo certes commissaire gouvernement li fin tande monsieur yo voye le dossier dans cabinet description jusqu'à maintenant pour qui ça cabinet description pour que j'aime carré les monsieur pour capable poser le question de toute ça reproche de lui parce qu'on connaît pas ca sans que pas gagne enquête mais au moins t'a relé pour que j'aime relé oui faut gagne enquête faut gagne enquête et puis nous gagne de l'autre dossier encore gagne me connaît mon fait qui a travaillé en pile dans question et mesdames yo dans en prison ensemble avec pouvoir judiciaire là pour capable voir comment pour capable premièrement faire droit respecter et puis porter de apport pour yo les dans un dossier yo aider au dossier on dit marcher plus donc pouvoir judiciaire lui-même lui gagne apport pas tout pour le porter elle porter apport pas mais grand pile tout qui peut pas porter parce que n'a prend le cas de dossier an jusqu'à maintenant dossier arrivé dans appel ça charger dossier chaque problème mais par contre faut que société a en gros faut que société a connait nous même femmes nous 52% yo pas supposé discriminer nous et c'est nous tout côté sur le plan social ou après ces femmes qui occupent tout monde ces femmes qui fait toute bagarre virer tourner économie nous na économie c'est nous plus dans secteur informel là politique encore c'est ça donc droit nous 52% faut que nous respecter OK d'accord en fait nous pas parler droit femme ça que nous pas parler de instance qui la même pour ça c'est ministère femmes là lui-même en fait au droit des femmes patati patata qui ça ou même ou à pied joint qui ont qu'à passer de sous ministère bon ministère à la condition féminine au droit des femmes il créé en 1994 mais avant en 1988 sous gouvernement le président François Alessi Maniga et il était créé gouvernement était créé secrétaire d'État à la condition féminine. Par la suite, le gouvernement a pas fait en pile temps. Il était fait coup d'État, il était allé. Mais 6 ans après, avec le gouvernement Aristide Michelin, il vient créer ministère condition féminine, ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Donc, ministère depuis lors, il a ministère son ministère qui est transversal ça c'est pour moi même en fait dans la réalité c'est ça lié mais à cause que gouvernement pas jamais vraiment mettre de quoi dans le budget pour capable fonctionner pour capable travailler de concert ensemble avec de l'autre ministère yo parce que son ministère qui est transversal sous question genre sous question égalité femme et garçon sous question respecter droit femme mais c'est un ministère tout auprès de l'État qui sont ministères qui politiques
moi-même en tant que féministe, c'est un droit que besoin faire revendiquer, besoin faire arriver plus vite devant le gouvernement. Moi gagner ministère pour me paraître devant pour acheminer ça que me plaît. Donc ministère son ministère en fait qui là pour capable orienter politique femme, orienté politique droit femme, orienté politique égalité femme à garçon dans gouvernement et puis garder tout toute action gouvernement, est-ce que vraiment yo respecter droit femme yo, est-ce que vraiment toute ça action gouvernement yo a mené ou sinon a fait dans commune dans département, est-ce que vraiment yo arrivé joindre mesdames yo support yo tout ça. Donc moi même ministère condition femme son ministère son ministère vraiment qui action ministère à qui lié pour secteur femme nan. En fait c'est pas cadeau yo te fait nous c'est goumé nous te goumé des femmes qui te goumé depuis 1930 k'ap goumé. Donc c'est en 1994 je vinn ben ministère moi même toujours un petit j'ai très choqué le chaque gouvernement qui montait leur a dit que il y a trop ministères. Il y a besoin effacer quelques ministères, il y a prêté sous ministère condition femme et c'est premier ministère ça toujours là mais on pas jamais connaissent sont acquis liés pour mouvement femme là. Donc on pas ouais pour qui ça pour retirer parce que c'est pour ministère que ça a été levé au tebail yo tebail et mesdames yo. Donc c'est goumen pour nous mettre là. Donc il y a toujours dit que ministère là son ministère qui pour famille mais non ministère affaires sociales et du travail gros secteur qui là pour famille. L'État haïtien a structuré le secteur ça, le travail pour le capable de travailler pour famille. Mais dans le cas contraire, le ministère, là, au contraire, a mis plus de code dans le budget pour le ministère là, pour être capable vraiment arriver, mesdames, dans tout côté dans le pays. Là, parce qu'actuellement, il y a des côtés dans le pays, là, mesdames, il n'y a pas l'hôpital. Il n'y a pas de gros tête fait mal, ou à gros votre pour accoucher, comme si c'est poté à poté, comme si. Mesdames, yo vraiment pas gros soucis dans marché, yo pas gagne côté pour marché malgré au comme Petrocaribe était passé malgré le passé j'en dépassé là et surtout qu'on y a une question coronavirus là qui a mesdames yo qui gagne famille monoparentale qui pas capable ou pas imaginer. Donc moi-même ministère là son ministère vraiment qui là pour capable travailler avec l'État avec l'autre ministère, travail avec société civile là tout pour que respect droit femme pour respect pour capable tourner en réalité et puis égalité femme et garçon pour le réel vraiment. OK. Si nous avons toujours été dans la question ministère là, tout à l'heure nous t'a parlé de question de quelques droits femmes qui pas respectés. Est-ce qu'on pas dire que ministère ça est un peu coupable vu que ministère là lui-même il a un rôle et attribution pour lui œuvrer dans question bataille pour droits femmes. Est-ce que yo réellement fait devoir yo en tant que ministère qui là pour faire droits femmes respectés réellement. Ministère là il travaille mais pour travail ou connaît faut gagner moyen en main. Ou en garder dans budget pour deux trois bien quatre derniers budgets ça malgré qu'il pas voté voilà mais comment tu avec kounia pour travail ministère travail dans façon pour le travail ça gagne dans mel et c'est pas vraiment ministère gagne de l'autre organisation gagne de l'autre organisation sur question violence mais qu'on est qui porter vraiment apport par yo bay monde. Donc pour moi même pas bien dit que ministère pas travail pour le travail faut gagner dans mel faut pour le travail faut que l'État structurel faut que l'État bay ministère des matériels de pour capable travail effectif vraiment. Mais ministère là j'en même tout là sont acquis. C'est structuré pour l'État structurel, c'est plus comme pour mettre dans le budget pour le capable travail essayer mettre le double de ça qu'on mettait hein, ou bien le triple. Et puis qu'on y a monde qui a dit que ministère si ministère ça ministère et puis qu'on y a là ouais c'est ministère pas travail. Okay, okay. Malgré pas en cadre d'un ministère. Moi bien à mais par contre mais son ministère sera même en tant que féministe, okay. Moi connais un peu qui travaille. OK. Tout à l'heure tu as parlé de violence. En pile fois les mesdames yo soit mineurs ou du moins moun ki age victime de viol yo toujours peur dénoncer qui à la base de ça d'après vous en tant que féministe. Bon nous gagne société nous hein le petit fille violé là prend le cas de un petit moun violé société en tout comme ça ou sinon parents. On dit maman quoi pour les dire comme ça faut pas dire parole là dans la rue parce que ou pas dénigrer tête ou pas le dénigrer famille hein yo pas le dire comme ça que à qui l'on laisse qui l'a été violé là
sous 10, 8h, 9h, 10h du soir. Laisse ou pas supposé dans la rue en tant que tifou te supposé dans la rue. Qui rad vous te mette sous vous? En te mette ton petit tête bout rad, te mette ton petit tête rad, te mette ton petit maillot qui tout sème de yon, tout. Ou pas supposé mette. Mais non. C'est droit pour le mette rad livré. C'est droit pour le marcher, quel que soit l'heure pour le marcher dans le pays. Hein. Responsabilité l'État pour le bail sécurité dans la rue. Hein. Moi-même pas responsable de ça. Société en bal, yon paquet de qualifications, li bal yon paquet de raisons pour le pas parler. Pa li même. Et puis, ti moun nan li même qui était bal, il a mangé là dedans. Il a mangé. Parce qu'on dit le pas parler. Par respect qu'il gagne pour, il pas parler vraiment. Mais bal, il a mangé. Nan mangé, bal, il a mangé là. Ou après, ça après 5, 10, 15 ans, ou ti moun sa réussi parler. Et puis ou imagino ou toute année comment bail là t'a fait dégand dans ti moun ça li pas parler comme si parents nous société a pas permettre nous même nous parler l'heure pour nous capable violer tant que yon dénonciation de question viol et de un artiste très reconnu qui c'est Gaël Bien-Aimé qui t'a qui fait sur radio moi même t'attendre ça sur Facebook là mais grand pile monde qui a mal tort, qui dit que pour qu'il s'attende tout 6 ans, pour qu'il ne s'attende jamais dénoncer, mais tant tout le temps ça, ça dépend de lui. Parce que là où nous subit viol, ou subit agression, non, même, ou pas attendre de ça, donc ça prend du temps pour le parler, mais il faut qu'on en parle quand même. L'essentiel, c'est que le parler. Moi-même, tu as toujours conseillé au monde qui violait, qui subit agression sexuelle, non, mais quel que soit le monde. Oui, il faut prendre du temps parce que ce n'est pas facile vraiment. Mon enfant fait pour prendre la presse, pour la prendre, pour la parler. Même parents, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ne peuvent pas parler de ça. Peut-être qu'il y a un ami vraiment qui est très approché de lui, qui peut parler. Il faut prendre le temps pour le parler, pour le sentir dans lui-même parce que ça choque en tant que monde. Ça choque en dedans, ça choque l'humanité. Oui, ça me dit là. Il faut prendre du poil, prendre le temps pour le parler. Vite, je ne connais nous l'état ça tout qu'il a, même l'œil. Al pote plainte parfois ou il veut tout prêt à condamner ou même qui vient porter plainte là il dit oh, qui côté qui l'autre ou pas connait les sont pas dans frustration ou pas connait pour pas marcher catigation comme si son enchaînement qui là quand on vire lui son problème donc c'est une grosse barrière question violence ça c'est une grosse barrière lié et il pas comme il tout côté il dans tout milieu il dans tout milieu pas ta rendre compte il dans tout milieu donc c'est toute raison ça qui fait ça premièrement c'est question parents nous côté nous lever nous gagne question l'église tout moi même son monde qui lever dans l'église protestante nous son monde qui lever me respecter maman mais c'est gagne pareil moi pas connait yo mais moi même si on pareil comme ça t'est arrivé m'tap dans même cadre dans tout parce que parents toujours dit qu'on question de famille dossier famille pour n'a gérer. Nous avons une question de l'église où il est pour pas discréditer l'église là pour pas comme si pour mettre parler l'église en mal faut gérer dossier par l'église en titre l'église en pasteur a passé pas mal sanction pour le pas quoi pour pas mon honnête mais même kounya désolé moi même parler sur pas tout ça ce sont des tabous ce sont des barrières qui empêchent on tifi on fille le violer yo mal pour yo parler yo vraiment mal son paquet enchaînement pour capable briser envers pour capable parler. Qui sont comprendre de violence qui souvent a fait dans bureau yo. Même dit bureau patron qui gon femme soit secrétaire pour soit pour le travail ou soit pour kembel dans travail là, il est obligé mander non contrepartie ou du moins pour sortir avec pour faire toute bagarre avec pendant que mon a gain qualification pour joindre poste là réellement mais il yo mandé pour vendre colle pour ca joindre travail là est-ce que ministère femme lui-même il pas gain rôle pas pour jouer dans la question ça harcèlement sexuel tisonaï non langage créole ça il est tisonaï pas tenir dans ça non tisonaï oui dans langage créole il est tisonaï. Ça son cas qui a répété bien des temps qui commençait puis qu'on y a qui toujours à répéter. Moi-même, moi j'ai eu une enquête que j'ai participé sur question harcèlement sexuel dans des institutions publiques et puis privées. Gayé de mesdames yo, nous t'a posé aux questions, gayé nous fait focus group, gayé aussi individuellement nous t'a posé aux questions.
Mais gagne de mesdames yo leur a parlé au tout que malgré patron en jour au sodien gagne compétence moi déposer CV mais malgré ça m'obliger sortir avec pour question forme gérer travail. Nous vivons dans un pays qui pas gagne travail pour jeunes, surtout pour jeunes femmes. Yo jeune femme qui dégaine, jeune femme qui décide de faire yo a vrai nous ça dans enquête là que yo décider vraiment sortir. Mais c'est à contre yo. À contre eux et ceci qu'on est sans dire c'est que malgré au fin bah au job là c'est vrai mais chaque fois mon envie n'est pas devant ou son coup de couteau comme si son bagage qui tranchait yo yo a kembe parole là ou kembe parole là mais après ce c'est quand son bagage t'as supposé punir ça fait me dire qu'on ça ministère condition femme son ministère qui est transversal qui t'as supposé travailler avec toute l'autre ministère yo ministère de la justice sous question droit femme bien sûr sous question droit femme ti moun ti mesdames yo vraiment qui a subi et ceci parce que c'est dans tout bureau parce que c'est dans pas dit généraliser car mais dans question bureau l'état ça répété en pile nous songe scandale qui t'est fait ensemble avec Pierre lui pas rappelé qui dans CEP hein. Donc ça li vraiment li répéter et mesdames yo c'est moment pour capable dénoncer moun sa yo parce que actuellement là c'est l'unique comme tu capable dire l'unique moyen que nous ca aider ça stopper dénoncer moi-même. Moi encourager mesdames yo côté nous à travail peut-être pour bosser nous malgré voyer CV nous demander nous sortir tout ça nous dénoncer yo c'est plus gros âme nous gagner dénoncer yo aller nos organisations féministes organisations qui attendent nous dénoncer yo pour capable dire mais qui ça fait qui pas bon qui vraiment cap comme si freiner droit mesdames yo freiner compétence mesdames yo parce que si on m'a l'école moi-même à l'école m'apprendre même quand c'était 2 années au monde me pouvait me chita moi chita moins faire moi pas raison pour mal soit mal couché ensemble en monde sinon me sortir si me sortir ensemble on m'a sorti pour plaisir pam moi voulais sortir en monde moi sorti pour plaisir pam même pas sortir ensemble en monde pour mal pour travail non qui pour bail travers ça moi même m'a dénoncé. Mesdames, c'est pour nous apprendre à dénoncer le cas ça arrive. Côté nous à travail, il y a un monde qui décide de nous ça. Si nous pas virer de nous parce que nous avons des compétences, il y a une autre institution qui apprend nous quand même malgré nous connaît pays nous hein, tout problème qui gagne, une jeune femme qui pas travail, qui besoin manger, qui besoin payer pas caille, qui besoin faire tout bagarre. Donc pour question ils ont en sorti, yon discrimination vraiment pour empêcher droit nous. Donc enfin son gros problème. En fait, nous passons un bon moment côté nous t'as parlé de droits femmes dans le pays d'Haïti et Maître Woodland Dieudonné fait historicité de ce qu'est les droits femmes dans le pays d'Haïti et nous bat bouche sur question ministère conditions femmes qui rôle yo attribution et qui ça doit fait pour question droits femmes dans les mêmes respecter et nous parler un peu le bagaille nous pas terminer côté que nous en bail Maître Woodland ont 2 minutes pour lui conclure pour nous-mêmes après ça pour nous car donc moi-même ça que m'ta dit pour conclure droit femme en Haïti depuis 1934 il était commencé jusqu'à maintenant nous gagnons les droits vraiment qui aider nous côté nous terre qui a avancé jusqu'à maintenant nous gagnons les droits qui là des applications de loi pour quand même pour des organisations de monde de notre société civile fait pour protéger le droit ça et nous gagne pile droit tout qui toujours qui discrimine nous qui fait droit nous pas respecter question violence qui c'est un gros poids nous qui en balance vraiment qui capable qui empêcher droit nous en tant que femme de respecter moi t'as souhaité que société toujours penché sur question violence qu'a fait tout le monde sur pencher sur question violence qu'a fait sur femme pour droit que vraiment n'a demandé pour respecter pour égalité que femme et garçon ta supposé gagner qui inscrit dans constitution qui inscrit dans droit universel droit de la personne pour vraiment pour capable yon réel pour chaque année, chaque heure, pour nous parler, pour nous dire que respecter les droits, c'est 52% de la population pour l'éradiquer. Donc, je dis merci et Isaac pour le bon moment que nous avons passé, nous avons discuté ensemble. Et puis à la prochaine. En fait, nous disons merci encore parce que vous avez accepté l'invitation. Nous. Et nous disons merci vous-même qui prend le temps et le soin pour garder l'émission par là, qui c'est droiture et son invité.
si ou même qui peut vous abonner avec Chanel, nous invitons à faire ça pour qu'on toujours jouer une rubrique ça et qu'on toujours jouer une autre émission qui gagne sur Chanel là. Une autre émission comme ça, c'est la semaine prochaine. Nous vous remercions. Bonne journée.